Si ceux qui témoignent de Dieu le font de manière forte, c'est que leur témoignage est basé sur la vraie connaissance et leur désir de Dieu. Leur témoignage ne vient pas d'une pulsion émotionnelle, mais de leur connaissance de Dieu et de son tempérament. Comme ils ont appris à connaître Dieu, ils sentent qu'ils doivent être témoins et amener ceux qui le désirent à le connaître, à connaître sa beauté, sa réalité. Comme l'amour des gens pour Dieu, leur témoignage est spontané. Il est réel, il a de la valeur et une signification réelle. Il n'est pas passif, vide et leur désir de Dieu. Leur témoignage ne vient pas d'une pulsion émotionnelle, mais de leur connaissance de Dieu et de son tempérament. Seuls ceux qui aiment vraiment Dieu donnent plus de valeur à leur vie. Seuls croient vraiment en Dieu, car ils vivent dans sa lumière. Ils sont prêts à vivre pour l'œuvre de Dieu et pour sa gestion. Ils n'ont pas de vie insignifiante, mais une vie bénie par Dieu. Ils ne vivent pas dans l'obscurité, ils vivent dans la lumière. Si ceux qui témoignent de Dieu le font de manière forte, c'est que leur témoignage est basé sur la vraie connaissance et leur désir de Dieu. Leur témoignage ne vient pas d'une pulsion émotionnelle, connaissance de Dieu et de son tempérament. Ils ne vivent pas dans l'obscurité, ils vivent dans la lumière. Si ceux qui témoignent de Dieu le font de manière forte, c'est que leur témoignage est basé la vraie connaissance et leur désir de Dieu. Leur témoignage ne vient pas d'une pulsion